Surtout que je viens de retrouver, surtout que je viens de trouver quasiment tout le matos pour faire ce que je veux en véhicule. Il me manque juste quelques livres de d'électronique à trouver, hein. Non. Ouais, je viens de trouver aussi une torche à la styène, hein. J'aime bien parce que dans la dernière version, il est plutôt rare, hein. Alors du coup, là. Il y a aussi un truc, bon, je sais pas si c'est aussi la dernière version, c'est que un véhicule, je crois que c'est, bon, je sais pas si c'est nouveau, c'est juste moi qui ai eu de la chance et trouvé une atomic car, hein. En gros, une sorte une voiture électrique qui fonctionne à l'énergie nucléaire, hein. D'après ce que j'ai compris, cette voiture a une, même si, bon, cette voiture peut, comment ça s'appelle, a une énorme autonomie en termes d'énergie, hein. Par contre, je suppose que le plutonium est rare dans ce jeu, parce que personnellement, j'en ai jamais trouvé, hein. Ou alors, c'est peut-être dans les laboratoires, hein, en sous-sol, hein. Ouais, parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de fouiller correctement Ok, ces endroits sans me faire tuer, hein. c'est parti. C'est Ouais, parti. attends, j'arrive, hein. Voilà. Alors là, ça va être pas mal important de farmer les trucs en premier. Oui. Et de pas trop mourir surtout. Parce que je pense que je vais avoir besoin de beaucoup d'écrou. Une batterie patate, c'est bien. Bon, par contre, le fait qu'il y avait. Ouais, la patate de la douce. Hein. C'est ça. C'est très référentiel, hein. C'est ça que j'aime bien. Et là, il y a une caisse. Deux écrous, c'est que dalle, mais ça. Ça fait des mois que j'ai pas joué surtout. Ça va être un peu compliqué. Ok, justice en force de pouvoir, ça c'est bien. Ok. Caisse à gauche, faudra pas que je rate. Normalement, il n'y a pas de pénurie d'objets. Ça devrait passer. Par contre, je me demande juste comment je vais faire pour aller avant. Ah, quoique. L'avantage, c'est que la hitbox des objets est quand même pas mal grand. Ok, Lotus de la mort, c'est parti. En ce moment, je joue. J'ai découvert un jeu qui arrive. Lequel? Enfin, j'ai découvert un. Comment ça s'appelle? Un hack de Super Mario Bros. Qui s'est un peu remarqué récemment. C'est Peach Adventure, hein. Ouais, mais ça, c'est un jeu officiel. Pardon? C'est un jeu officiel, Peach Adventure. Non, c'est un hack de Mario World. C'est un jeu que j'ai un petit peu entendu parler qui s'est fait remarquer, qui est assez sympa, hein.
En gros, c'est une sorte de... C'est un peu une sorte de parodie du premier Mario Bros. Avec différents éléments où on remplace Mario par un Peach. Et le jeu assez sympatoche. Hein. On a des petites références et compagnie. Hein. À tester. Je crois que j'ai confondu avec Super Princess. Ah, ok, c'est pas une bonne idée. Bon, par contre, c'est vrai que le style est un peu spécial, comme par exemple le fait que, comment dire, que la Peach de ce jeu est un peu rondelette. Hein. Et à part ça, le jeu est assez sympa. Hein. Et en plus de ça, il y a des multiples petites références. Hein. Par exemple, un des boss, c'est une variante de la souris de Super Mario Bros. 2. Par contre, il y a aussi des maps, hein, des maps cachées qui sont des références à Sonic. Par contre, c'est bien possible qu'ils aient pris le sprite de Super Mario All-Star. Dégal d'attaque, augmente. Il y a quelques éléments qui me disent quelque chose, mais c'est possible. Hein. J'avoue que j'ai pas vraiment joué à Mario All-Star. Hein. Ben, grosso modo, c'est les trois premiers jeux, mais en version 16 bits. Et aussi, pas mal d'ennemis sont originaux, hein. Comme les Goombas qui font gaffe à ne pas se casser la gueule. Il y a des plantes piranhas modifiées qui comment ça s'appelle, hein. En gros, elles ne font pas attention s'il y a quelqu'un ou pas au-dessus ou en dessous d'elles, hein. Contrairement au premier jeu. Hein. Alors oui, mais en fait, celles-là, elles existaient avant, c'était dans Lost Level. Et c'était des plantes piranhas d'une couleur spéciale, oui. Qui justement attaquaient rouge, peu importe. Hein. Ouais. Et ça, c'était pas un rajout du jeu, c'est un truc qui existait déjà avant. Ah, parce que dans le jeu originel, si on se collait contre le tueur, elles ne sortent pas. Hein. Ouais, je là, sais. On peut jouer avec ça. Hein. Mais disons que c'est comme les champignons violets qui te font perdre un point de santé. Ça vient de Lost Level. Qui est grosso modo le Mario Bros. 2 japonais. Ouais. Ouais, je connais cette histoire. Ah, c'est pas une histoire, c'est tu peux tester, ouais. Ouais, non, je veux dire, je connais cet élément de l'histoire de Nintendo. Les excellents d'une telle image de joueur un chauchotte que ça. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'ils font un coup de une version plus facile. Hein. Alors... Même s'ils ont carrément utilisé un autre jeu, hein, ou la version occidentale. Hein. Bah, ils ont bien fait, vu la qualité de Doki Doki Panic, ils ont bien fait de le prendre. Ouais. Mais alors, contrairement à une idée reçue, en fait, Super Mario Bros. 2 US, en réalité, c'est pas juste un reskin. En fait, il y a eu pas mal de trucs qui ont été modifiés. Comme par exemple, des boss, hein, le crabe dans... Alors, en fait, il n'était pas d'origine, il a été ajouté parce que l'origine, c'était juste une deuxième apparition de la souris, hein. Et aussi le fait qu'on peut courir dans cette version, ce qui permet de faire des raccourcis impossibles avec le premier jeu d'origine. Le fait que certains éléments sont animés, comme par exemple les plantes grimpantes, alors que ce n'était pas le cas sur le jeu d'origine. Et aussi certaines animations ont été refaites, comme par exemple certains oiseaux qui avaient juste 2 frames, et ben ils ont rajouté des frames supplémentaires pour que ce soit un peu plus fluide. Hein. Ouais, ils ont pas fini le jeu. Ouais. Ce qui m'hallucine, c'est qu'il y a certains grincheux qui prétendent que c'est un des plus mauvais Mario, hein. Alors que franchement, hein. Bah, en fait, c'est un mauvais jeu. Le seul défaut, c'est que les personnes ont tendance à glisser, c'est le seul défaut qu'il a, hein. Et sans compter que, tu vois, quand tu vois la saga des New Super Mario Bros., tu peux pas dire que c'est moins bon que les New Super Mario Bros., parce qu'ils sont complètement fainéants, hein. Autant le premier je le trouvais sympa, mais les autres, purée, hein, c'est à foire à la paresse. Hein. Toujours le même design. Juste quelques nouvelles transformations, mais c'est tout. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Le pouvoir qui tue peut rester en France. Ça c'est bien. Oula. Peur que je fasse gaffe.
en dessous. Ok, je crois que c'est pas une bonne idée. Ah mince, je me suis fait une tâche. Dommage. Ah putain, en plus c'est du chocolat. Ok, ça va être un peu plus chaud. Parce que j'arrête pas de me faire tuer. Oula. Bon ben, je crois que mon aventure va être plus rapide que prévu. Ouais, c'est bon, je suis de retour. Et... je vais t'amener le boss à un PV près. Là, je suis arrivé pile là au bon moment. Ouais. Et les ennemis tués endommagent leurs voisins. Ça, c'est bien. Le mieux, ça serait d'avoir de battre cure en premier, parce qu'il permet d'avoir un pouvoir qui renverse les dispensers. J'espère juste pas mourir dans ce niveau parce que c'est une de mes musiques préférées du jeu. Oui, c'est un bon argument pour pas mourir. J'aime la musique, je ne peux pas mourir. C'est pas un très bon argument, mais bon. Pas trop ce que je voulais faire, mais trop. Attends, cette map me dit quelque chose. Ça me fait penser à... comment il s'appelle ce jeu déjà? À un jeu qui s'appelle un peu méconnu qui s'appelle Hurricane. En gros, c'est un clone de la saga des Turricanes. Parce qu'il y a un passage qui ressemble un peu à ça. En fait, les passages sont gérés de manière semi-aléatoire. Pardon ? Les passages sont générés de façon semi-aléatoire. Ouais, je connais ce système. Non, je parle du décor en lui-même. Bah, le décor, c'est un décor en dessin, il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas gros. Forcément, si tu prends un truc en dessin avec une teinte un peu orange, forcément, ça va ressembler. Ouais. C'est un peu le truc ironique de ce jeu. C'est qu'il y a un meilleur level design alors qu'ils utilisent un système de génération procédurale. Donc c'est déjà plus compliqué. Et pourtant. Un meilleur level design que quoi de... Non, je veux dire. Que... Non, parce que je pensais au cas de Mighty No. 1 Wine. Qui a coûté une blinde. Alors que c'est une catastrophe au niveau du level design. Alors figure-toi que c'est mon Megaman préféré. Voilà. Pardon ? C'est mon Megaman préféré. Voilà. Ah, parce que j'entends souvent les gens se plaindre à cause de l'event design. Disons que en fait, il y a qu'un seul niveau qui est limite moyen. Hein. Ça restera toujours mieux qu'un Mario Bros, mais
il y a que le niveau de Pyro qui est relativement linéaire, mais le reste du jeu, le level design est quand même plutôt correct, surtout le musée de robots, enfin non, c'est l'usine robotique et qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment bon niveau en plus. Ouais, j'admets que j'ai juste entendu des critiques, mais pas joué au jeu lui-même. Hein. En fait, j'avoue que c'est littéralement le jeu. À part sa sur-hype, j'ai jamais vraiment entendu un argument très solide pour dire que c'est un mauvais jeu. À part l'argument du budget et l'argument de c'est le créateur de Megaman, donc forcément ça devait être un truc génial. Ouais, surtout qu'en réalité, le gars s'est occupé uniquement du design du personnage. Ah oui. Et pas du level design. Hein. Et pourtant, le level design était plus chouette. C'était pas le truc le plus spectaculaire que j'ai vu, mais en tout cas, en termes de niveau. Personnellement, je préfère Mighty No. 9 à Mega Man 11. C'est pas un avis populaire non plus, mais bon. Alors. Ouais. Ouais, bon, d'un autre côté, il faut vraiment que j'apprenne à arrêter d'écouter les grincheux, hein. Déjà que des fois, ils critiquent des. Mais ça m'aurait plu, j'avais un bon exemple d'une œuvre qui se fait défoncer la gueule. Alors qu'elle est loin d'être mauvaise. Ah, il y en a plein. En fait, c'est simple. À chaque fois que t'as une grosse base, t'as obligatoirement une grosse partie qui sera déçue. Peu importe ce que tu fais. Et forcément, les gens qui râlent le plus, ce sont les plus bruyants. Ouais. Là, ah oui, ça me revient à le 40 lui-même. C'était Adventure of Link. Hein. Bon. Je suis pas allé super loin et j'ai joué uniquement en sous-émulateur, mais le jeu est loin d'être mauvais. Je veux dire, il s'amuse à dire que c'est comme quoi c'est le pire des Zelda qu'il ait jamais eu. On va pas me dire qu'il est plus mauvais que... CDI, ouais. Ouais, que CDI ou... Attends, qui c'est avec les... Alors que CDI, techniquement, il reprend un peu le design, mais en pas bien. En fait, le seul vrai défaut du Adventure of Link, c'est juste la difficulté qui est super mal réglée. Hein. Mm. Ouais. Je veux dire, parce que le jeu est quasi interminable sans cette tête, hein. C'est en parler du fait que, je veux dire, excepté ce détail, excepté la difficulté abusif, hein, il n'y a pas de vrai gros défaut dans cet épisode, hein. Ben, ouais, c'est ça. Par peut-être le fait qu'il y a une certaine manque de variété, parce que souvent, t'as une variante juste du espèce de soldat avec l'armure, hein. En même temps, faut dire que c'était... un peu abusif, hein. En même temps, faut dire que c'était aussi le début de la NES. Donc forcément en termes de maîtrise de la console et en termes de graphisme, on n'était pas forcément au mieux. Ouais. N'empêche, si on veut un excellent Link Adventure, il suffit juste de se tourner vers la série des Wonder Boy, c'est bon. Ouais. Ouais, n'empêche, je trouve que le système d'attaque armure est... Elle a mérité d'être à voir simple et très efficace à la fois. Hein. Mm. Ouais. Mais c'est ce que je voulais dire d'autre là-dessus. Hein. Ah oui, d'ailleurs, au passage, ils ont fait une suite à Mighty No. 9. Et ils ont été encore plus imaginatifs en termes de design, et le jeu était... En tout cas, je trouve le jeu vraiment... Malgré le fait qu'il est moins... Le gameplay est moins nerveux. Parce qu'il y a un truc que j'aimais énormément, c'était le fait que tu pouvais dasher autant de fois que tu voulais, ouais. et même dasher vers le bas. Qui rendait le jeu hyper rapide à jouer. Oui. Et ça, c'était quoi? Oui, c'était quand même vachement fou. Ouais. Et vachement agréable. Par contre, je sais pas s'il a été patché en 30 ans. Parce que s'il était sorti plutôt buggé ou que les graphismes n'étaient pas finis, effectivement, je comprends que ça a fait mauvaise presse. Mais en tout cas, oui. Je l'ai testé en 2000. Je crois que c'était 2018 ou 2017. Et personnellement, je le trouve très bien. Pas le meilleur, mais disons que c'est mon préféré. Voilà, fait légèrement plus de dégâts.
Je dois juste bien aller faire un truc, je reviens dans un instant. Pas de problème. Voilà. Là. Pour l'instant, ça va, je m'en sors. Même m'acheter ça. Ah punaise, je vais oublier ce détail. Quoi? En fait, je m'étais pris un power-up qui permet d'avoir. Comment dire? Qui permet d'avoir. Quand tu casses un ennemi, les ennemis à côté explosent. Tu mélanges ça avec le fait que t'as des ennemis qui pop en permanence à côté du boss, tu pètes un ennemi, le boss perd la moitié de sa vie. Et hop. Par contre, il y a un truc qui est vachement bien fichu dans le jeu, c'est que les pouvoirs que tu récoltes sur les ennemis ont souvent une compétence spécifique sur le terrain. Comme par exemple, le pouvoir de feu protège des attaques de glace, enfin protège des pièges de glace. Le pouvoir de glace permet de geler les lance-flammes, etc. C'est des petits détails tout bêtes, mais je trouve ça super malin. Ah, c'est signe qu'ils ont bien réfléchi à leur jeu, hein. Ouais. Ok, bien dans ce passage. Il y a un truc aussi que je trouvais, c'était que les musiques paraissaient un peu générées, enfin, un peu aléatoires. Et au final, l'OST, je la trouve super bien. Question d'habitude, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Le truc qui permet de s'accrocher au mur. Un pingouin. Les dégâts d'attaque augmentent avec la santé. Attends, je vais pas de jet, quand même. Ouais, je vais prendre les deux. En plus, j'atterris devant le boss. Nickel. Ah oui, c'est vrai. Contre ce boss là, faut utiliser le cré d'énergie. Et fonctionne. Hop. Voilà, tranquille. J'espère juste que l'infini est bien activé parce que j'ai pas envie de faire une heure de gameplay pour m'apercevoir que c'était pas lancé. Aïe. Voilà, tranquille. Hop.
un petit jeton. Rage de flamme, poison, ça c'est bien. Ok, une zone de gloire, ça s'appelle bien. Hop. 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 En plus, les fuyers, c'est entre guillemets les plus faciles. Des 50% des pouvoirs est gratuitement, ça c'est. Hop. Mais eux. Je crois que j'aime pas que les plateformes soient. Hop. Oh. Ça va être un mauvais jeu de mots. Plus de force d'attaque, ça vaut le coup. Attends, j'ai un doute. Shovel Knight Dig, il est sorti, hein? Mais je ne sais pas. Je ne connais que de nom la série des Shovel Knight. Et je savais même pas qu'il y avait un deuxième jeu. Ouais. Bon, personnellement, j'ai joué au premier, hein, et que j'ai kiffé. Bon, même si à ce moment-là, c'était avant que j'achète ma. Comment ça s'appelle? Ma SNES. Comment ça s'appelle? NS 30. Hein, ah oui, je vois. Les 8 vidéos, donc. Donc je vais me contenter de cette manette pourrie Logitech que j'ai chez moi. Hein. Ouais, bon, le problème c'est que cette manette en question, quoi, c'est déjà la précision, Logitech précision. Ça ressemble un peu à une manette de PlayStation qui a particulièrement, entre parenthèses, une bonne, hein, 3 multidirectionnelle.
Sauf qu'elle a un défaut, c'est qu'elle s'assuse vite cette putain de croix multidirectionnelle. Hein. Bon, j'arrive un peu à réparer en la rafistolant, mais le problème, c'est que j'ai l'impression de se détecter que temporairement parce que ça serait refait de casse la gueule. Donc j'ai dû jouer avec une croix multidirectionnelle un peu merdique. Hein. Mmh. J'imagine bien. Ah, j'arrive à le finir entièrement, et purée, il est chaud, banane. Par contre, ce jeu, c'est vraiment un énorme hommage aux jeux NES. Hein. Que ce soit DuckTales avec le système de saut sur la pelle hein. des Megaman avec les ennemis. Hein. Un petit truc marrant, c'est que tous les antagonistes du jeu ont Knight dans leur nom, hein, en référence à ça. Hein. Mm. Et aussi sur un Megaman, il y a aussi une référence au fait qu'on doit vers l'avant-dernier niveau du jeu, on doit refaire tous les boss. Hein. Bon, même si c'est mis d'une manière un peu comique. Hein. Parce qu'on s'attend à un combat hyper épique, et pouf, on a atterri, et en rentrant dans un passage, on atterrit pile poil dans une salle à manger, et on dérange tous les anciens boss qui le prennent mal, et qui se mettent à te friter l'un après l'autre. Passage. Mais non. Je vais perdre tous mes PV pour un simple bonus. Non. Bon, j'ai ok. Je vais arrêter de faire. Hop. Mais eux. Je vais y arriver. Ok, tant pis. J'ai perdu. Parce que je voulais prendre un bonus. Moins tant pis.